Salut, c'est Sam, une nouvelle vidéo pour faire le point de la semaine. Donc, tout d'abord, merci à toutes, merci à tous d'avoir permis de dépasser les 1000 abonnés pour la chaîne. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça fait surtout plaisir de voir que la communauté du jeu s'agrandit, c'est vraiment génial. Ensuite, on va en parler déjà en premier lieu un peu de la chaîne. Alors, je vais vous afficher ça. En fait, je voulais vous informer que j'ai modifié le titre de cette vidéo, en fait, qui n'était pas très clair. En fait, l'idée, c'est que je vais regrouper mes let's play des cycles 1500 à 2000 pour éviter d'inonder la chaîne de let's play, parce que là, ça fait vraiment beaucoup trop de let's play. Là, j'ai un gros volume de jeu actuellement et j'ai pas envie d'inonder la chaîne de let's play. En plus, c'est des let's play assez hauts cycles qui n'intéressent pas forcément la majorité de mes viewers. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça plus pertinent. Donc vous cliquez sur la vidéo. Donc vous aurez tous les let's play de 1500 à 2000. Par contre, il faut cliquer ici sur plus. Et voilà, je vous ai mis les liens de toutes les vidéos en fait. Voilà, pour chaque cycle. Il faudra que je mette 1830. Là, celui-là actuellement, je suis 1830. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on va arrêter ça. On va parler un peu de Nier Architect, un peu de l'actu de la semaine. Donc je vous ai rajouté deux articles. Un article sur les geysers, en fait. C'est quand même pas mal de boulot, donc j'espère que ça vous sera utile. Donc voilà, un article plutôt complet, je pense, sur les geysers, en fait, et tout ce qu'il faut savoir dessus. Également un article sur comment refroidir l'eau ou n'importe quel autre fluide, en fait, avec différentes astuces et tout. Bien sûr, l'article n'est pas exhaustif, mais je pense que vous pourrez quand même retrouver pas mal de petites astuces plutôt utiles. Donc voilà. Je vous mettrai les liens dans la vidéo, bien sûr. Et également, j'ai fait quelques mises à jour sur le site. J'ai mis le document sur les paraboles. J'ai mis un setup de cuiseur à gaz naturel. Je vous mettrai le mien que j'utilise actuellement encore sur la page une fois que j'aurai bien finalisé. Et j'ai rajouté 10 setups d'Electrolyzer que j'ai pris sur le forum, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Ensuite, concernant Client Entertainment, en fait, ils ont fait un petit event communautaire en streaming en fait, donc vendredi dernier à minuit 30. Voilà, donc perso, je l'ai regardé. En fait, ça se base sur une carte personnalisée qui a été créée par ce joueur, Bizouk 22 en fait. L'idée en fait, c'est que vous commencez en fait avec des dupliquants directement sur la base de l'astéroïde en fait, sur la surface de l'astéroïde. Et voilà, vous devez réussir à survivre et pénétrer en fait l'astéroïde et voilà, visiter et survivre. Vous avez déjà toutes les recettes. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça met un peu en place une potentielle évolution en fait du jeu qui nous permettra de quitter l'astéroïde, d'arriver sur un nouveau astéroïde depuis la surface avec toutes les recettes et voilà, et éventuellement explorer un nouvel astéroïde d'une manière un peu différente. Donc vous pouvez retrouver le stream en fait de Client Entertainment sur Twitch. Pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo. Alors j'ai pas mal forcé un peu, j'ai essayé de poser des questions en fait à Claire pour tirer un peu les verres du nez pour le prochain patch. Malheureusement, ils n'ont distillé aucune information en fait sur le prochain patch. Néanmoins, sur le forum, j'ai fait un petit post en fait. Enfin, j'avais répondu à un post. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Ouais, c'était ça. Par contre, de toute façon, je vais pas mal spoiler. C'est des éléments que j'ai tirés de la console en fait et qui pourraient potentiellement figurer au prochain patch ou dans un patch à venir. Donc, attention, je spoil. Donc notamment, c'est l'implantation de l'électrum et de la pyrite. Ça, je pense, c'est imminent parce qu'on le voit en mode console. Quand on utilise la métal raffinerie en fait, on a déjà les recettes de l'électrum qui peut être raffiné en or et de la pyrite qui peut être raffiné en fer ou en iron. Donc, voilà. Moi perso, j'imagine toujours que le neutronium serait de retour et qu'il serait minable, donc ça, ce serait à voir. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, on peut faire apparaître ça grâce à la console. C'est trois satellites en fait. Alors, c'est juste des éléments de décor, hein, comme les ruines abandonnées, mais je trouve ça vraiment joli en fait. On voit des satellites de la société Gravitas en fait
qui est un tuto, je spoil, attention, qui sont les créateurs des piquants en fait, qui seraient les créateurs des piquants. Donc voilà, et je trouve ça vraiment joli en fait, cet état brûlé. À voir maintenant clair, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce que ça va être l'objet du prochain patch. Donc voilà. Également, je vous informe que je ferai un stream jeudi prochain, donc jeudi 23 août, à partir de 20h30, pour le lancement du prochain patch, justement, de contenu qui sera lancé à ce jour et à cette heure, entre 20h30 et 21h, en version preview, bien sûr, pendant 2 semaines, on aura une version preview, donc il va s'étoffer de contenu comme d'habitude. Et donc voilà. Et également, concernant l'avancée de la partie, je devrais passer cycle 2000 ce week-end. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour le point de la semaine. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt. Salut.